Je parle du jeûne thérapeutique, des lavements intestinaux et des fruits et légumes frais pour notre santé globale. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une nouvelle qui m'a aussi vraiment touchée et c'est pour les femmes qui ont les douleurs menstruelles et les filles qui ont ces mêmes douleurs. Donc aujourd'hui, les douleurs menstruelles seraient vraiment prises en compte parce que c'est causé par l'endométrie. L'endométriose qui forme des tissus en dehors de l'utérus et provoque des douleurs pendant ou même des douleurs pelviennes. Donc, ces personnes qui souffrent de ces douleurs-là, aujourd'hui, j'ai écouté, j'ai lu sur une presse là, dans la radio, comme quoi ce serait pris en compte parce que les femmes en souffrent et que c'est une des douleurs qui rend stérile des milliers, des millions de femmes. Alors moi aussi, je me tiens à vous parler ceci parce que il fut un moment que j'ai parlé que si vous aviez des douleurs menstruelles ou vous êtes en ménopause, vous pouvez prendre vous pouvez prendre le jus de betterave. Le jus de betterave, c'est votre allié parce que cela tonifie en même temps le sang et cela construit aussi les globules rouges. Donc, si vous êtes vraiment dans ce problème de douleur diffuse, non pas diffuse, pendant les menstrues, il y a d'autres, pendant vos menstruelles, il y a même d'autres personnes qui en souffrent même, des douleurs pelviennes. Et quand c'est coup par coup, tu ne peux pas trop se négliger, les gens n'ont pas pris ça en compte. Mais maintenant, c'est pris en compte, tu peux en parler. Vous pouvez en parler à votre médecin, vous pouvez en parler à votre généraliste pour qu'il puisse prendre en compte. Parce que si on le dit aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, il y aura un traitement. Bien sûr qu'il n'y a pas eu un traitement qui pouvait améliorer la santé de ces femmes, de ces jeunes filles qui sont stériles à cause de l'endométriose qui cause des problèmes à l'utérus. Mais peut-être aujourd'hui, ils peuvent nous les donner, hein. Ils peuvent chercher et avoir, et surtout parce que les gens ne font pas le diagnostic à temps. Les gens attendent, c'est une maladie qui est toujours négligée et que les gens ne prennent pas beaucoup compte à ça pour se dire oui, j'ai un problème. Donc les menstrues sont mal et on reste tranquille, on fait avec. Alors aujourd'hui, je tenais à dire à ceux qui regardent ma chaîne de savoir que avec les douleurs menstruelles, on peut même ne pas aller au travail en ce moment, ce que j'ai appris. Alors, informez-vous si vous êtes dans cette douleur pendant vos menstruelles et que des douleurs violentes, là, vous pouvez bien demander à votre médecin et vous pouvez aussi prendre 2 jours, 3 jours pour c'est une maladie. C'est vraiment une maladie parce que ça cause tellement de problèmes, ça cause la stérilité, ça forme des tissus en dehors de l'utérus et ça bouche. Donc, c'est une maladie qui maintenant doit être surveillée de tout près. Alors les amis, tournez-vous vers votre médecin pour lui dire ceci et renseignez-vous bien si c'est déjà au niveau où on peut se pencher par quelqu'un, par un général, par un spécialiste pour cette maladie qui a été négligée depuis longtemps. Je vous parle étant dans un jardin, hein, et donc je peux vous montrer un peu. Je suis dans le jardin à Port-Mali, à Mali-le-Roi. Donc, vous allez bien voir que c'est mon jardin que je vous ai tout montré plusieurs fois. Alors, les chers amis, je vais vous laisser. C'était une information qui m'a vraiment touchée et j'ai tenu vraiment à vous le dire. Merci.
Et bonne journée à vous et bonne santé. Bye!